Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la présentation de cette nouvelle vidéo consacrée à la suite de notre découverte et de la traversée de la France. Donc là on va repartir donc de Muret, hein, donc LFBR. Donc notre dernier vol était fait avec le Robin. Hop, attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec les câbles. Me revoilà. Donc je disais, on était parti, on s'était arrêté avec le Robin sur Muret. Alors vous vous souvenez, hein, de la petite couille qui m'était arrivée en changeant le sélecteur de carburant. J'avais plus d'essence et du coup j'avais oublié de faire un changement de sélecteur de carburant et ça a failli se finir en catastrophe, hein, si vous vous souvenez, en passant au-dessus ici de l'autoroute. Donc je l'ai échappé belle. Donc on est arrivé sain et sauf. Du coup ça m'a bien calmé avec le Robin. Donc on va faire un vol avec le Cessna, le C208, le Grand Caravane de Carenado en version 3, puisqu'il a été mis à jour cette semaine. Je viens de l'installer. Et la particularité, c'est qu'il intègre le GPS JNS 430. Et je vous montrerai comment préparer notre plan de vol que j'ai réalisé ici avec le site Mach 7. Voilà. Donc un vol très simple, hein. On va prendre ici le VOR DME, donc sous l'indicatif TBO 113.9. Ensuite, on va passer par deux balises NDB, PO et PU, avec ici comme indicatif 397 et 364. Et on va terminer notre course vers Biarritz. Donc on a à peu près 55-56 minutes de vol avec le Cessna, en sachant qu'on va voler quand même plutôt pas mal. Et puis on a quand même aussi la préparation du vol, donc je dirais même une quarantaine de minutes, puisque je vais mettre le boost, c'est un turboprop, donc ça devrait bien bien tenir. Donc on va quand même régler les instruments dans l'avion, puisqu'il faut toujours avoir des instruments de secours. Et il est impératif et même primordial de savoir utiliser donc la navigation VOR et NDB. Je vous montrerai comment les reparamétrer, mais ce qui va m'intéresser surtout, c'est le suivi GPS de notre tracé que l'on va insérer dans le GNS 430. Un vol qui devrait se passer plus ou moins bien. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis une météo non pas réelle, parce que sinon, si elle était réelle avec les intempéries actuellement dans la région, ça risque d'être très compliqué. Donc on pourrait pas faire du VFR. Alors même si là j'utilise le GPS, mais le but de cette série, c'est quand même faire du vol VFR. Donc je vais mettre une météo plutôt calme, mais changeante sur le temps, en espérant que ça ne va pas jouer contre nous au niveau de la météo, puisque là je peux pas trop m'y fier, puisque je vais pas faire de la météo réelle. Bref. Donc voilà, vous allez voir un petit vol sympathique, j'espère, puisqu'on l'a pas encore fait. On verra ce que ça va donner, en espérant que cette fois-ci j'ai pas d'intempéries. Bon, en même temps, et ni d'avaries avionique. Bon, en même temps, le Cessna, je le connais très bien, puisque ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus. Et puis je refais aussi quelques petits vols avec le Cessna 337 quand il passera en V3. Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on a le GNS 430 qui est avec nous, on a beaucoup de mal à s'en passer. Pour les prochains vols, eh bien, on va remonter comme ceci vers le nord-est. Et puis on va partir de Biarritz vers, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, je n'ai pas essayé de recouper là de plus près parce que j'aimerais bien ne pas, vous voyez, me retrouver dans une zone proche de celle qu'on a fait. Donc je pense qu'on va vraiment monter comme ça, vous voyez, pour pouvoir repartir là. Donc c'est ce qu'on fera certainement. Allez, on se donne tout de suite rendez-vous dans le cockpit. Ah oui, on va regarder ce que ça donne au niveau terrain. Vous voyez, il nous dit qu'on peut voler à une altitude de 2000 pieds quasiment. Donc nous, on va voler à une altitude beaucoup plus élevée que ça. Comme ça, on va pouvoir profiter du paysage. Et puis au moins, si on a une avarie, ça nous permettra de nous retourner, puisque l'avion a des bonnes capacités pour planer. C'est une aile haute et large. Donc on aura un peu de la marge. Donc ça, ce sera fort bien. Et on fera un atterrissage face à la mer. Voilà, puisqu'il n'y a quasiment pas de vent. Donc on fera l'atterrissage vraiment tranquille. Alors vous allez voir aussi, au niveau des informations, j'ai remis l'autogène, le Word de Simeven à jour, en version 6. Et vous allez voir que visuellement c'est une claque. Non pas par la beauté des bâtiments, parce que j'ai pris une basse définition. Il y a le SD et le HD. Alors le HD, si vous avez une grosse carte graphique, vous pouvez y aller, sinon passez votre chemin. Et donc là, avec l'autogène SD, là je suis en paramétrage en tonnes, pas en mégatonnes, mais tonnes au niveau de la répartition. Et vous allez voir à quel point l'autogène est dense
et cela tout le long de la route. Et ça, c'est top parce qu'au moins, quasiment plus aucun bâtiment n'est oublié sur la France. Donc ça, ils ont fait un énorme travail dessus. Allez, je vais arrêter de faire ma commère et de blablater. On se donne tout de suite rendez-vous dans le cockpit. Allez, à tout de suite. Allez, nous voici maintenant dans le cockpit. Alors, on a le plan de vol. Je vais vous montrer bien maintenant comment utiliser le GPS, le GNSS 430. Donc, c'est un GPS qui a été nouvellement intégré dans cette version du Cessna Grand Caravan 208. Donc, c'est la version 3. Donc, on va ouvrir ici le GPS en question. On va cliquer ici sur Flightline. On va faire Menu. On va déléter le dernier Flightline. Pas. Ah oui, c'est là. Hop. Voilà. Donc là, on va rentrer donc nos différents points. Donc c'est L FBR. Et là, il va nous retrouver. On fait Enter pour l'ajouter et on accepte. On va cliquer maintenant sur la grande roue, la petite pardon, pour pouvoir entrer le deuxième point, qui est le point TBO, qui va être le VOR. Donc vous verrez, il va nous le retrouver tout de suite. T. TBO. Voilà, Enter, il me dit que c'est un VOR trouvé en France, sinon c'est un NDB en Uruguay, mais nous on va rester en France. Enter, et on accepte. Ensuite, on va refaire exactement la même chose. On va mettre le point PO. PO. Enter, il nous dit que c'est un NDB. On va mettre l'autre point, qui est le point PU. Donc ça, ce sont les points qu'on a vus sur la carte. P. U. Enter. Pareil, il nous dit que c'est un NDB trouvé en France. C'est impeccable. Et on accepte. Ensuite, on va mettre le VOR BTZ. On n'a pas besoin, mais on va quand même le faire pour le fun. Alors, à chaque fois, je me plante entre le petit et le gros bouton. Alors, PQ, T. Non, B. Mince, BTZ. Alors, B. Ah bah, on peut le faire avec la molette, ça va plus vite. BT. Z. Voilà. Et le dernier point, qui est LFBZ. Alors, L. B. LF, mais non, je me trompe. LF. B. Z. Enter. Accepté. Donc là, on a notre plan de vol. Donc là. Hop, on reclique ici sur Flightplan. Donc on voit ici le premier point, c'est LFBR. On le voit ici sur notre plan. Voilà, on a bien notre plan de vol qui est indiqué. On va régler ici les radios. Donc la première, ça va être 113. Là, on clique dessus. Hop. 113.9. Alors même si on a un GPS, je préfère aussi utiliser mes instruments. Hop, 113.9, c'est fait. Alors je vais réactiver ici. J'aurais mon traquière. Voilà. Donc 113.9. Et le premier NDB, c'est 397. C'est la galère là parce que on voit pas. Ah. Voilà. 397.
On va mettre ici, tester le radar météo. Ah. Voilà, on le met en route. On est ok. Ouais, ici. Pit top. Les lumières pour le taxi, on va le laisser pour l'instant. On va les enlever au décollage. Ok, donc là on est bon. Donc on lâche les freins, on met un peu de gaz, on sort un cran de volet et on lâche les freins. Et on met les freins, les pleins gaz pour le décollage. Voilà, c'est un avion qui décolle très vite. On rentre le cran de volet. Voilà, on va prendre de l'altitude. Et ensuite on va virer. Donc là pour information, je suis avec les dernières mises à jour au niveau de l'autogène. Donc un autogène vraiment beaucoup plus précis. Donc la World Scenery est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus présent. Alors par contre, on encaisse quand même une petite chute de FPS. Hein. J'ai quand même perdu une dizaine de FPS par temps couvert. En règle générale, j'ai perdu une dizaine de FPS. Bon, en même temps, je vais avoir aussi un problème avec mon Windows. Donc voilà. Je vais avoir des petits soucis là, de ce côté-là. Parce que normalement, je suis à 60 FPS quasiment, et là, c'est pas le cas. J'ai eu des gros micmacs avec les pilotes de ma carte graphique. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces dernières semaines. Plus un événement familial qui m'a beaucoup affecté, donc du coup j'ai pas pu, j'avais pas du tout la tête à ça, et là je me suis dit bon allez maintenant il faut reprendre un peu le dessus, et puis c'est parti, il faut refaire des petits vols sur X-Plane, ça fera du bien à tout le monde. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc on se reconcentre sur notre plan de vol. Donc voyez ici, j'essaye de me caler comme il faut sur le GPS. Donc après je vais l'enlever, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Je vais passer après en mode GPS. Voilà, je fais ça pour prendre de l'altitude. Voilà, donc ici on va cliquer sur CDI pour passer en GPS. On va activer ici le GPS et on va mettre nav. Voilà, je vais tout lâcher. Vous voyez, et là automatiquement l'avion va récupérer sa course. Alors moi ici, je vais laisser prendre de la vitesse encore un peu. Vous voyez, donc là l'avion s'est bien calibré sur sa trajectoire. Enfin, c'est ce qu'il va faire de toute façon. 4000 pieds, on va encore monter. Attention, ouais, alors par contre. Ici, on va faire down parce que le taux de montée est beaucoup trop élevé. Bon, c'est un avion qui a une forte capacité à grimper et à piquer sans trop perdre de vitesse. Voilà, ça, ce sera beaucoup mieux. Donc, vous voyez ici, l'avion va commencer à récupérer sa course. Ici, on voit la distance qui nous sépare entre notre point de départ et le point suivant. Donc là, on a à peu près une distance de. Alors, ça va être en nautique, je ne vais pas dire de bêtises, donc 47 nautiques. Avec l'heure estimée d'arrivée pour la fin de notre voyage. Si je ne dis pas de bêtises. Ici, on voit les différents waypoints. Donc, on voit ici LFBZ. On voit le runway. Les informations de notre piste. Avec les différentes com radio. Et l'approche en ILS 27. Donc, ça, c'est pour LFBZ. Alors, si je dis pas de bêtises, oui, donc c'est pas le truc de. C'est pas la piste du point de départ, c'est la piste d'arrivée. Ok. Donc, LFBZ. Ah oui, bah Bayonne, je suis bête. Donc du coup, eux, ils nous disent quoi? Une approche par l'ILS 27.
Et on le fera donc bien à, on le fera après, de toute façon, puisqu'on va préparer l'avion pour l'atterrissage avant d'arriver. Et ici, on a tous les points d'à côté. Donc là, on a LFBR, bien entendu, celui qu'on vient de décoller. On a LFBF à côté de nous et LFBO. Les différentes intersections, les différents NDB qui vont pour lesquels on va croiser notre chemin, les différents VOR et les différents espaces aériens. Donc là, bon, là, il ne le gère pas, je suppose. Donc nous, on va revenir sur notre navigation. Donc là, en plus, la flèche nous indique que nous sommes bien sur la trajectoire pour TBO. Voilà, avec la direction du nord. Ok, donc on va diminuer donc notre altitude, on est assez haut. On va réduire le régime moteur pour éviter toute casse en vol. Alors, on va régler ici. Alors ça, par contre, c'est très ennuyeux à chaque fois. Hop. Alors, c'est bizarre, c'est que le VOR, on ne capte pas encore. Pour lui, c'est bon. Ah oui, mais on est peut-être, c'est peut-être parce que si on est en mode GPS. Oui, on est en mode GPS forcément, donc les instruments, on les aura peut-être pas forcément. Ouais, voilà, vous voyez. Parce qu'on était en mode GPS, donc là le VOR il est bon, il est bien droit devant nous. Je vais mettre ici en mode nav. Donc voilà, faut toujours se fier aussi à nos instruments. Donc après ici il y a le NDB qui va se mettre en route. Voilà, donc là on est parti. La vitesse elle est bonne. Donc là, on va de traverser la départementale 626 et on va rejoindre la départementale 9. Donc là, j'ai aussi mis une météo beaucoup plus clémente que dans la réalité, parce que sinon on n'aurait pas pu beaucoup voler, je pense, ces derniers temps avec les intempéries qu'il y a dans la région. Donc j'ai préféré mettre une météo classique. J'aime voler de façon habituelle avec la météo réelle, mais là ça n'a pas été, c'est pas le cas, c'est pas possible. Hop, donc là on va augmenter un peu la vitesse. Donc là on est bon. On n'a plus qu'à se laisser porter. Hop, on va faire une petite vue extérieure. Ah, tiens, j'ai enlevé le pod ici. Cargo. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est la version 3 du Carenado. Donc ils ont modifié pas mal, ils ont corrigé pas mal de bugs. Ils ont bien amélioré les FPS.
ça c'est plutôt bien. Et puis ils ont surtout intégré le nouveau GPS. Alors par contre j'oubliais ici. Hop, de l'enlever. Ça aussi. Voilà. Donc là j'ai changé ma configuration. Voyons, on peut changer la configuration d'intérieur. Hop, on va mettre plus de passagers. Dommage qu'on puisse pas les voir, qu'on puisse pas les modéliser. C'est quand on quitte l'avion qu'on voit ici des personnages. Ils sont plutôt bien fichus, vous hein, voyez. Pas dégueu, mais on voit pas les passagers. Alors dommage qu'on voit plus après le pilote. Peut-être que j'ai pas trouvé comment il fallait l'activer. Parce que j'ai pas vu réellement de bouton pour pouvoir le faire. Vous voyez, hein, une fois que tout est bien paramétré, on se laisse guider, on se laisse porter par la balade. Petite chose aussi, j'ai utilisé aussi Scenery Manager. Donc maintenant j'ai vraiment mes scènes sur un disque dur et X-Plane sur un autre disque dur. Et c'est vrai qu'au début j'étais très sceptique sur la fiabilité de ce système, c'est-à-dire d'avoir les scènes à part. Tout le monde disait qu'on avait un gain de rapidité, de fluidité au niveau des chargements. Et je peux vous dire que c'est le jour et la nuit, X-Plane se lance quand même beaucoup plus rapidement. Et j'ai largement moins d'accès disque dur et de latence durant mes vols. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Que dire aussi non, moi plus rien d'autre. Voilà. Donc oui, oui, j'avais fait. Ça faisait pas mal de temps qu'on me réclamait des vols sur X-Plane. C'est vrai que j'étais beaucoup parti sur l'actualité des CS puisqu'elle a été, elle était assez conséquente. Donc du coup, j'ai préféré me concentrer dessus, en sachant que là, il va y avoir de nouveau de l'actualité des CS puisque normalement, j'y viens normalement. Donc là on est quel jour? On est le mardi 2 décembre, normalement entre le 3 et le 5, donc cette semaine, au plus tard le 5, on devrait avoir apparaître le BF 109, puisque je l'ai commandé depuis un bon bout de temps. On aimerait bien que ça arrive, donc là il va y avoir un petit peu d'actualité DCS. Bon là c'est assez... alors je sais pas si on voit de l'autogène. Si on en voit vraiment partout, hein. Regardez, on en voit... ici, voilà, je sors, voilà, il y en a vraiment partout. La dernière mise à jour est vraiment excellente, les maisons, elles sont là où elles doivent être, peut-être pas forcément la forme, mais au moins tout y est quoi, c'est plutôt pas mal. Là, on vient de passer au-dessus de la rivière. Donc là, on va arriver sur la départementale 283. Enfin, on va la croiser, on va arriver à l'intersection entre la départementale 171 et la départementale 283. Et on va avoir un petit peu plus loin. Alors, je sais pas s'il sera représenté dans X-Plane. Ouais, c'est là. Alors normalement il y a un barrage là. Le barrage de l'Astarac. L'Astarac. Est-ce qu'on le voit le barrage? Après barrage, peut-être que c'est pas un barrage. Hein. En fait, peut-être que j'ai une connerie, j'en sais rien, je suis pas de la région. En tout cas, ça s'appelle le barrage de l'Astarac. Et un peu plus loin sur ma carte, on a le golfe de Gascogne. Ouais, alors pour le trouver celui-là. Normalement, voilà, on devrait bientôt y être au golfe de Gascogne. On va avoir un petit point d'eau quelque part. Là, on va passer au-dessus de la départementale 220.
Et en remontant un peu la départementale sur ma carte. C'est vraiment précis, c'est un truc de fou quand même. Ça remonte. Ah, il est là. Voilà. Le golfe de Gascogne à côté du point d'eau. Voilà, on le voit ici le golfe. Maintenant qu'on reconnaît sa forme. Voilà, il y a des nuages là. Ah, ici. Oui, c'est ça que je voulais dire. Je ne suis pas sur la version 10.31 ou 10.32, je vous le déconseille fortement, puisque j'ai eu de gros problèmes. Déjà ici le plugin Real As et Fly with LUA qui me permet de gérer justement ce plugin, eh bien ça ne fonctionnait plus, plus moyen de le faire passer, et puis j'avais des grosses baisses de performance dans la globalité au niveau du jeu. Donc je vous déconseille fortement de faire la mise à jour. Moi je suis repassé sur la 10.30. J'avais une 10.30 qui traînait sur mon disque. Donc du coup je suis quand même repassé dessus. Et j'en suis fort content parce que ça a été une catastrophe. Ah, alors on a une piste LFDQ. Décidément on peut faire des sacrés jeux de mots là depuis tout à l'heure sur les noms de pistes et puis le reste. Allez là. LFDQ. Ok, bon bah écoutez, le vol se passe bien. C'est très agréable. Alors, on va voir ici où on en est au niveau du point suivant. Ah, donc c'était bien en nautique. Oui, donc là on arrive à TBO. Donc on passe le VOR DME d'ailleurs. Qui est un VOR, une balise qui va nous permettre aussi d'avoir une des informations de distance. Ouais, vu qu'on a 14,3 nautiques du VOR. Donc ça, c'est bien. Alors au niveau moteur. Faire attention. Voilà, on est bon. 180-185 km/h en vitesse de croisière, c'est très bien. Donc on arrive sur le VOR. Et vous allez voir que l'avion va suivre les indications du GPS et virer automatiquement vers le point suivant. Juste un coup d'œil sur le radar, hein, mais c'est vraiment pour le fun. Il n'y a vraiment que dalle. C'est extrêmement clair. Un petit peu brumeux, mais bon, la visibilité est quand même pas dégueu. Ah bah le NDB, regardez, on le capte, puisqu'il nous indique bien qu'il est droit devant nous. Donc là, la balise de 397 représentant le premier MDB qui est PO est opérationnelle. Donc on aurait vraiment très bien pu se débrouiller avec le VOR et le NDB pour pouvoir effectuer notre navigation. Mais là, étant donné qu'on a maintenant le GPS intégré, je vais souvent l'utiliser. Puis ça permettra de faire des vols un peu plus fun, de faire des vols de nuit aussi, parce que cet avion est IFR. Donc on va pouvoir faire un peu de vol de nuit ou alors vraiment au crépuscule, très tôt le matin ou vraiment tard le soir au coucher du soleil. Ça va être sympa parce que sinon voler que nuit, ça peut être G. Alors vous allez voir que quand on va arriver sur certaines villes, vous allez voir que l'autogène est impressionnant.
C'est top. Ils ont vraiment fait du super bon taf. Regardez, je vais me remettre en vue extérieure. Ah, j'aurais dû. Hop. Voilà. Vous voyez, tout est vraiment là. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a pas un seul bâtiment avec la toute dernière mise à jour qui a été oublié. Alors, si vous souhaitez comment l'installer, j'ai fait une vidéo sur l'installation des add-ons sur Xplain. Donc, je vous invite à le regarder. Vous voyez, tout est là. Alors, je trouve ça vraiment fun. Ça peut faire aussi des très bons vols en hélicoptère. Je vais essayer d'en introduire aussi un petit peu de l'hélicoptère. Pas que sur des CS. Alors, on va entamer nos virages. Bon, le virage va être nul, on va dire, dans le sens où c'est toujours la même distance, enfin le même angle. Et on va passer au-dessus de la départementale 14. Voilà, on passe dessus. Bon, par contre les arbres, je les mets pas parce que c'est gros consommateur de FPS. Pourtant j'ai pas une petite machine, hein, mais en même temps comme je vous dis, je vais avoir aussi des ennuis avec mes pilotes de carte graphique. Et ça c'est un peu plus gênant. Il va falloir que je me refasse tout. Ça me saoule. Ça, je vais refaire la machine. Et tant que tout soit refait, je suis pas prêt de produire et je suis pas prêt d'être là. Parce qu'après il faut tous taper l'installation, se retaper l'installation de tous les logiciels, et ça va être une galère phénoménale. Alors généralement quand on réinstalle tout, on a toujours des problèmes de compatibilité, de choses qui ne marchent plus. Voilà, c'est ça qui me fait peur. Et puis vraiment les tuiles de Simiven, elles sont géniales, excellentes. Bon, il n'y a pas eu de mise à jour, hein, depuis un bon bout de temps, depuis plusieurs mois. Je les attends avec impatience, parce qu'il y a certaines régions où la colorimétrie n'est pas GG. Tiens, regardez, je vais me remettre en vue extérieure. Regardez l'autogène là-bas au niveau des villes. C'est tout simplement abusé. Vous voyez. Et ça, et bon, là par contre, ça tombe bien. Il y a eu tous les bâtiments qui sont affichés. C'est, moi je suis bluffé, hein, parce qu'on n'avait pas du tout ça avec la version 5 de OpenStreet là, je sais plus comment ça s'appelle. Là on a un truc vraiment d'enfer, quoi. Et encore là j'ai mis des tonnes au niveau des objets. Si j'avais mis mégatonnes ou autre, ben on aurait vraiment tout ce jeu là, je sais pas. Oui, regardez, il y a encore quelques petites zones. Ouais, quelques petites maisons qui ne sont pas représentées. Mais bon. Salut messieurs, vous qui nous regardez. Alors, on va regarder notre plan de vol. Donc on arrive au point PO. Donc de 9 nautiques pour arriver au point PO. Bon, ce qui est pas mal aussi, ce qui est intéressant aussi avec le GPS, c'est que ça nous permet aussi de repérer très facilement des terrains de proximité en cas d'avarie. Et puis ça nous permet aussi de prendre le vol de façon beaucoup plus sereinement. Mon PO, PU, alors PU on va peut-être le mettre. Alors par contre vous faites ça. Hop, 364. Voilà.
Voilà. Donc là, on voit ici l'aiguille qui nous indique de le virer légèrement sur la droite pour récupérer PU. Donc ça, c'est cool. Commence à être brumeux. Commence à avoir de plus en plus de nuages, tiens. Commence à être couvert par ici. Donc là, le NDB est ok. Là, si je tourne, non, le VOR va pas vouloir. Ah, si, là, il veut, tiens. Tiens, on va régler l'autre VOR qui est le 114-15. Ah, bah, yeah, j'avais déjà mis. Voilà. L'aiguille ne donne rien, enfin elle ne donnera pas grand chose puisqu'on est en mode GPS, mais même on est beaucoup trop loin. Donc on va prendre PU. Vous voyez ici le NDB qui m'a dit qu'il va falloir virer sur la droite pour récupérer un peu notre trajectoire. Donc là l'avion va entamer son virage tout seul. Donc là, il va faire un petit virage vers la droite. Et puis, si je dis pas de bêtises, ce sera notre dernière ligne droite. Ouais. Avant d'arriver à Biarritz. Donc, je risque d'avoir un petit message d'erreur. Parce qu'il va me dire que je n'ai pas de scène installée à proximité, blablabla. Puisqu'on arrive du côté de l'Espagne, mais je n'ai pas installé l'Espagne. Donc ça va couper 30 secondes. Ah oui, bah regardez, c'est cette ville-là. Vous allez voir quand on va passer au-dessus, c'est un truc de dingue. Je fais une vue extérieure. On va voir le nombre impressionnant de bâtiments qui va arriver là. Voyez, vous n'avez pas menti. Alors ça cumulé avec le trafic routier, j'étais à 20-22 FPS. Hein. Là, je sais même pas combien je suis. Tiens. En plus, Fraps il tourne. Ouais, je suis à 30 FPS avec Fraps, mais Fraps il me bride à 30 FPS de toute façon, donc. Voilà, vous avez vu. C'est un truc de fou. On a quasiment fait la moitié du chemin. Donc là, on va passer au sud de la forêt domaniale de Bastard. Tiens, regardez. Ouais, ça porte un sacré... Sacré réalisme quand même, c'est pas négligeable. Ah, voilà, là, il récupère sa trajectoire.
Hop, les, vous voyez la balise NDB, on l'a dépassée. Ah, il doit capter le VOR du coup. Normalement, il est droit devant nous puisqu'on est en from, pas tout. Bon, voilà, comme ça m'a permis de vous montrer aussi le. La qualité de l'autogène. Donc vous retrouvez sur Simeven en suivant la vidéo sur l'installation des add-ons. Vous aurez toute la procédure pour l'installer. Alors quelques-uns m'ont demandé aussi sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de répondre, de certaines librairies qui marchaient pas, comme les R2 librairies. Donc les liens sont opérationnels, je les ai testés, tout fonctionne, donc je ne comprends pas votre inquiétude. Mais bon, ça se peut qu'à ce moment-là, quand vous l'aviez testé, ça déconne. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai pu réussir, puisque là, c'est un X-Plane fraîchement installé. Et je l'ai installé il n'y a pas plus tard que 2 jours. Enfin, je dis qu'on va passer au-dessus de la forêt. On y est loin encore pour l'instant. On va regarder au niveau fuel. Fuel, c'est bon. Pas d'alerte. Au niveau des températures d'huile et de pression, on est dans le vert, on est bon. Là, on dépasse pas les limites, on n'a pas dépassé les petits badins rouges. C'est bien. Donc avant d'arriver à la piste, on va charger la procédure d'approche. Alors là, par contre, je sais plus ce qu'il avait dit, ouais, ILS 27, ok. Si je fais procédure, ILS 27, vous voyez, il est dedans. Donc il ne nous reste plus que 2 points à faire. Donc de BTZ, on a encore 45 nautiques à faire et on sera arrivé. De plus en plus du nuage, enfin, quoique ça commence à se dégager, on commence à les laisser derrière nous. Vous voyez l'importance quand même d'avoir les instruments aussi opérationnels, de savoir les utiliser, parce qu'en cas de panne de GPS, eh bien, ça va être très compliqué de suivre un cheminement de sécurité. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une avarie électronique dans l'avion. Donc du coup, le fait de savoir utiliser ces instruments va vous permettre aussi de confirmer ce que le GPS vous dit. C'est jamais, hein. Qui nous disent faites demi-tour avec prudence, on n'en est pas loin. Voilà, je baille comme une carpe, c'est un truc de dingue. Alors, on a combien là? 42 nautiques, ok. Ouais, bah regardez, on capte le. Le VOR dit 41.8, 41.8.9, c'est bon, on y est bon. On y est, donc on capte bien le VOR. On a la bonne... enfin la bonne distance, je ne sais pas si c'est la bonne distance, mais en tout cas, ce que dit le GPS et ce que dit mon autre instrument avec le GPS de réglé, ça concorde. En sachant qu'avec le GPS, on a toujours une petite latence, un petit décalage. C'est pour ça qu'on peut avoir des fois une seconde ou deux de décalage.
Tu vas faire une petite vue extérieure pour profiter des beaux paysages. Voilà, par contre une zone qui a été qui n'a pas été traitée correctement, vous voyez c'est tout flou. Bon, vous voyez ça c'est ce qui serait bien qu'on ait dans la mise à jour, hein, des corrections de d'endroits floutés comme ça. Ah, peut-être que c'est une raison valable, je ne sais pas. Sacré nuage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là? 33 nautiques. Alors, on a un petit coup de boost au niveau du moteur. Ça va aller vite. On va commencer à prendre la procédure. Enter. ILS 27. Avec ici une A. Je trouve plus mes mots. Avec une transition vers vecteur. Non, je vais pas prendre ça. Attendez. DB. Ah bah RNAV par GPS, tiens. Hop, on va charger. Ok, ben vous voyez, on arrive. Hein. On va commencer à voir les Pyrénées sur notre gauche. Sur notre gauche, oui, c'est ce que je dis. On va bientôt voir apparaître la mer.
casse-pied ce trackier. Qu'on est encore assez loin. Hein. 35 nautiques environ. Notre vitesse, elle a encore monté un petit peu. On est à 180 km/h. Donc à peu près à 155 nœuds. Hop, petite vue extérieure pour changer un peu. Ouais, graphiquement c'est beau. Hein. Franchement rien à dire. Alors pour ceux aussi qui jouent à... Ah voilà, regardez. Là il a trouvé la zone de paysage qui n'était pas installée, c'est pas grave, vous faites compris. C'est parce que très certainement, là-bas plus loin, j'ai la scène qui n'est pas installée. C'est pas très certainement, c'est que c'est sûr et certain. J'ai pas installé toutes les frontières espagnoles, sinon on s'en sort pas. Ouais, regardez, on voit la mer, ça y est. On commence à s'approcher de Biarritz, là, qui est droit devant nous. Donc ouais, je disais, pour les utilisateurs de Falcon 4, il va y avoir aussi des nouvelles vidéos qui vont arriver sur Falcon. En sachant aussi que la nouvelle version de Falcon 4 se fait de plus en plus parler d'elle. Donc, une des phrases qui a été relevée, c'est que l'un des développeurs a lâché le fait que ce qu'une personne se disait qu'avec les Falcon 4 actuels, nos machines elles n'étaient pas mises à l'épreuve et que en gros les machines s'ennuyaient un peu parce qu'il n'y avait pas de challenge au niveau graphisme. Moi ça me va bien puisqu'au moins on a un simulateur très fluide. Et la réponse du développeur a dit que avec le nouveau Falcon 4, donc la version 4.3 de BMS, nos machines auront de quoi souffrir. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr c'est qu'on va avoir du coup un nouveau moteur graphique et on aura peut-être et même très certainement des zones en image satellite et un relief beaucoup plus précis parce que c'est vrai que ça manquait cruellement sur Falcon 4. On a un super simulateur avec une avionique au top du top. Et on a des graphismes voilà, qui datent de l'époque hein, quand même, faut pas l'oublier, c'est un simulateur qui a 12-13 ans facilement dans les pattes, qui a une espérance de vie tout simplement incroyable, je crois même qu'il est sorti en 89 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est tout simplement énorme au niveau de la longévité pour un jeu, enfin, pour un simulateur. Merci au passage à la communauté de passionnés. Allez, on va revenir dans notre cockpit, on va se concentrer sur ce qui va nous arriver là sur le moment. Puisque on va avoir une approche, donc ce qu'on va faire c'est que on va commencer à baisser la vitesse. Alors normalement c'est une approche directe. Ouais, c'est une approche directe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais couper. Alors je vais faire ici un down. Hop, on va commencer à descendre. Voilà. Ce Biarritz est dans le coin. Voilà, elle est juste devant. On va faire une approche directe. Donc là, j'ai bien plongé.
Donc là, c'est un peu de ma faute, hein, parce que à papoter comme une commère, eh bien, j'ai oublié l'essentiel. Donc le point de descente, c'est pas très grave. Donc à mâcher du chewing-gum à gogo les passagers, ça leur fend les pieds. Donc si tout va bien, j'ai bien si tout va bien, ce week-end il va y avoir la suite du vol, donc depuis Biarritz. Donc on va tout remonter. Rattraper mon retard sur les scènes de. Enfin sur les vidéos de X-Plane. Bien entendu, et là je me le cache pas, il y aura quand même une vidéo sur le BF-109. Ça c'est indéniable. Bon bah regardez, on est bon, on pourrait même sortir un cran de volée là. Si vous me verriez, c'est vrai que là aussi il faut que j'avais promis de me filmer de temps en temps pendant que je joue. Là j'ai les bras croisés devant mon écran. Je touche à rien, je me laisse vraiment porter. On va être nickel pour l'approche. Alors là aussi on doit avoir un autogène de mammouth sur Biarritz. Vous voyez le truc. Alors dommage que j'ai pas une machine avec une carte graphique beaucoup plus poussée. Là j'ai une GTX 660, j'aurais bien aimé avoir une GTX 780 avec 4 Go de mémoire. Et j'aurais très certainement pu pousser un peu plus en mettant les routes. Et puis un autogène beaucoup plus... pas précis, mais un autogène encore plus poussif. Bon, on approche les 5000 pieds. On n'est pas si mal que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, couper le pilote automatique, reprendre les commandes, sortir un cran de volée. Alors cet avion, c'est vrai qu'il est près de là où j'habite. Donc j'habite à quelques kilomètres de l'aérodrome de Bondu. Donc près de la région lilloise, pour ceux qui connaissent, le long de la rocade. Et donc c'est vrai qu'on le voit souvent passer cet avion, puisqu'il est là pour larguer les parachutes. Moi j'ai fait un son parachute, mais c'était sur le Pilatus, hein, mon avion chouchou, le PC-6. Passage, dès que le PC-12 arrive, vous allez en bouffer à mort du PC-12. Parce que là c'est un de mes avions préférés. Cessna 337, je le ressortirai quand ils auront fait la mise à jour en V3 avec le nouveau GPS, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il est intégré, on a vraiment du mal à s'en passer du GNS 430. Ça apporte un réalisme vraiment supplémentaire. Bon voilà, vous avez vu, l'approche se fait vraiment tranquille. Un deuxième cran de volée. Pas aller jusque 3. pieds. Je le dis, hein, parce que le copilote il glande rien là à côté de moi. On va mettre un peu de gaz. Vraiment l'approche est tranquille, hein. Quand on a l'habitude de piloter des MiG et compagnie, c'est vrai que là ça devient vraiment une promenade de santé. C'est vraiment tranquille. Vous voyez l'autogène, vous vous faites chier avec ça, mais moi j'adore, je suis bluffé. Je pense que ça s'est entendu. Dommage que je puisse pas activer les routes parce que je vais avoir une chute de FPS. Je comprends pas, ça j'avais pas ça avant, mais je vous dis, ça doit merdouiller au niveau de Mega Driver. Parce qu'il y a tellement d'installations, de réinstallations avec le Nvidia GeForce Experience, là je vous le déconseille d'installer cette merde. Qu'il y a de le dire, parce que ça fout une pagaille pas possible, même si on part sur une réinstallation fraîche, il y a toujours des traces. Donc mieux vaut s'en passer.
Charles d'un écran de volée. Salut tout le monde, salut Biarritz. On va pas sortir la planche hein, parce que là il doit vraiment cailler. On vole tellement lentement qu'on pourrait courir après qu'on arrivera à le rattraper. Voilà, bah j'ai posé. Ah, c'est nickel. On remonte les volets. Et on freine tranquille. On verrouille les freins et on se fait une petite vue extérieure pour se redire au revoir. Alors regardez, je vais vous montrer comment quand on sort les volets. Ouais, ça sort vraiment pas mal. Ça montre vraiment à quel point on casse la vitesse de l'avion. Hop. Tout ça rapidement pour vous montrer tous les ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà. Et c'est un peu lui. Bon, bah, il n'y a pas envie de s'éteindre. Il va y avoir un bug parce que j'ai découpé les batteries. Et il est toujours là. Vous voyez que tous les éléments statiques. Super beau. Ça donne vraiment du. Ça donne du réalisme supplémentaire à la donne. Eh bien, écoutez. On va se laisser là. On va se quitter là. On va se laisser. On va se. Se dit bye bye. Bah écoutez, j'espère que ce vol vous a plu, que ça vous a permis de vous évader un petit peu en cette période de sale temps. Nous dans le nord, il fait très très froid, demain ils ont annoncé de la neige. Donc on est très bien lotis, avec des moins 2, moins 3. Et donc j'espère que ça vous a réchauffé un petit peu sous votre couette. Moi en tout cas, j'ai bien pris plaisir. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt, donc cette semaine d'ailleurs, avec un nouveau vol consacré à la suite de notre traversée de la France depuis Biarritz. Allez, ciao ciao, à très bientôt.